Salut à tous, c'est Baisanka. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment télécharger l'alpha de Call of Duty Vanguard. Il y en a plein qui m'ont posé la question et j'avoue que sur le store, c'est pas très précis. Bon, là je suis sur PS4, j'ai pas encore le boîtier pour la PS5, mais je pense que c'est la même méthode pour PS5. Et si jamais, il y a aussi via le site, donc je vous mettrai le lien dans la description, par le PC, si votre PS4 ou PS5 est relié du coup au compte Sony, vous pourrez aussi le télécharger direct via le PC. Donc ensuite, on va aller ici dans le store. On va aller du coup dans les recherches et on va taper Vanguard. Hop. On va trouver du coup les trois versions du jeu. L'édition standard, l'édition ultime et tout en dessous du coup c'est quoi? C'est l'édition, le pack cross-gen. Et ensuite, pas de bêta. Enfin, la bêta c'est pour septembre, mais l'alpha n'est pas disponible. En tout cas, pas quand on tape Vanguard. Vous allez cliquer sur le jeu. Ensuite, vous allez simplement descendre ici au niveau de la description. Vous descendez. Précommande, paiement immédiat. Vous descendez. Là, on a du coup les différents packs qui sont disponibles pour le jeu. Vous descendez. Et là, du coup, on a la alpha. Donc, alpha du champion de la colline. C'est un nouveau mode qui va arriver sur le prochain Call of. Je vais vous montrer un peu ce que ça va donner. C'est surtout du 2v2 et du 3v3. Franchement, ça a l'air stylé. Je vous montre ici du coup le petit descriptif du mode. Donc, soyez parmi les premiers à jouer au tout nouveau mode tournoi de Call of Duty Vanguard dans l'alpha du champion de la colline. Tous les joueurs PS4 et PS5 peuvent accéder gratuitement à l'alpha du 27 au 29 août. Donc ça arrive ce week-end. Le champion de la colline est l'un des nombreux modes multijoueurs de Call of Duty Vanguard et n'est qu'un aperçu de l'expérience multijoueur complète qui vous attend lors de la sortie de la bêta en septembre. Donc la alpha, c'est là à la fin du mois et direct en septembre, on attaque avec la bêta. Voici une description détaillée des fonctionnalités disponibles dans le mode champion de la colline, donc le mode qui sera disponible pour la alpha. 8 équipes s'affrontent dans des séries de face à face, la dernière équipe encore debout l'emporte, petit style de Battle Royale. Faites équipe en duo ou en trio pour des combats en 2v2 ou en 3v3. L'arène du champion de la colline est composée de 4 cartes conçues spécialement pour le mode. Des manches de ravitaillement entre les parties permettent aux joueurs d'acheter des améliorations et des armes. Et le champion de la colline n'est qu'un des nombreux modes du coup de l'expérience multijoueur de Call of Duty Vanguard qui seront disponibles lors de la bêta en septembre. Donc, a priori, on aura plusieurs modes disponibles pour la bêta en septembre. Là, pour la alpha, on pourra faire que les modes champion de la colline. Franchement, le mode a l'air stylé. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ce nouveau mode. On sera en live du coup le week-end pour tester tout ça. Ça fait un peu chier qu'on soit du coup forcé peut-être en 2v2 ou 3v3. Parce qu'à mon avis, il y a du monde qui va vouloir tester tout ça. Mais n'hésitez pas du coup à follow la chaîne Twitch qui est dans la description. Si jamais vous ne pouvez pas télécharger la bêta ou pas être trop disponible ce week-end, vous pourrez check un peu live, voir un peu les nouveautés. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.